bonsoir. 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 Vous êtes bien sur Fréquence 7, différente et pas pareille, qui nous permet d'avoir la parole ici, à Solidaire d'abord, pour essayer de faire une radiographie de la société, radiographie de ce monde libéral qui part complètement de travers. Hein. Bon, c'est pas nouveau, hein. Vous savez bien qu'on a cette position-là, mais c'est peut-être bien d'avoir quand même des médias qui peuvent un peu dénoncer cette voix unique que l'on entend systématiquement, qui nous explique que tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. La parole de son maître. Oui, la parole du maître. Alors, à la fin de l'émission, évidemment, on aura quand même, après toutes ces analyses qu'on va vous envoyer, là, on aura le quiz de Denis. Et ce soir, le quiz, c'est un beau quiz. Hein. On verra. On verra, on verra. Bon, alors, première chose, vous avez vu que en Chine, la politique zéro Covid fait tilt, en fait. Hein, je ne sais pas comment vous le percevez. Oui, les Chinois, ils commencent à avoir marre du zéro Covid, de se retrouver confinés. Ouais. Et reconfinés, là, j'ai l'impression qu'ils ils montrent leur désapprouvation. Voilà. Ils affichent complet. Et là, on nous explique que, mais vous vous rendez compte, ça y est, les Chinois se révoltent. Ça y est. On a l'impression que ça va faire du buzz. Alors, et par contre, chez nous, qu'est-ce qu'on nous a fait avec le Covid? On nous a fait quand même quelque chose plus soft, hein, on est d'accord. Mais enfin, bon, au début, pas de masque, on ne peut pas sortir non plus. Hein. On peut juste aller travailler. Il ne faut pas oublier que, voilà, on était juste bon pour aller travailler. On n'avait pas les masques dans les métros, dans les bus, tout ça, ils n'avaient pas de masque et ils allaient travailler. L'essentiel, c'est d'aller travailler. Ouais. Et on a été quand même très docile. On a été très docile. Et tout ça grâce à un cabinet scientifique indépendant, nous a dit Macron. Un cabinet scientifique indépendant. Il insiste sur le mot scientifique. Parce que tout ça, c'était scientifiquement prouvé, quoi. Oui, McKinsey, c'est le roi des scientifiques. Ah, voilà. Alors, effectivement, on a aussi le cabinet McKinsey, on va pouvoir en parler. Alors, il se trouve que, dans la même optique que McKinsey, celui qui tourne sa veste. Voilà, celui qui tourne sa veste sans arrêt, qui se retrouve espagnol, puis pas espagnol, etc. En Espagne, il est quand même condamné à 270 000 euros de... Parce qu'il a triché au niveau de la démocratie, comme d'autres, hein, suivez mon regard. Quand il est parti de l'Assemblée nationale, la gauche, il a fait une innovation. Ouais. C'était, ils avaient sorti les pancartes, c'était vraiment une innovation. Il est content. Et donc, affaire McKinsey, dans laquelle le maire, ministre de l'économie de Macron, nous expliquait il y a 6 mois que on circulait, il n'y avait rien à voir. Là, maintenant, il reconnaît quand même qu'il y a des abus. Tant qu'on ne les prend pas la main dans le pot de confiture, vraiment la main dans le pot de confiture, qu'il y a des éléments comme là, il y a quelque chose, il y a le tribunal, il y a un objet légal qui est en train d'analyser la façon dont ça s'est passé avec McKinsey par rapport à la campagne de Macron, là, d'un seul coup, ils sont... Oui. Il y a eu l'enquête du Sénat qui porte ses fruits. Oui. Et si Macron est protégé en tant que président de la République, le ministre de l'économie n'est pas du tout protégé. Oui. Il peut être poursuivi pendant son mandat. En tout cas, là, d'un seul coup, le maire change complètement de pied et il reconnaît qu'il y a des abus. Il y a eu des abus avec McKinsey qui a été trop sollicité pour faire des enquêtes. C'est de quelques milliards. Voilà. Bon. Alors, en tout cas, aujourd'hui, le cœur de notre émission, c'est de discuter, entre autres, d'une émission dont tu nous avais parlé, toi, Denis, qui était une émission qu'on a sur Arte, hein, qui s'appelle Les Idées Larges, et qui était une émission sur l'analyse, en fait, de l'économie de marché, l'économie libérale, néolibérale, pardon, c'est-à-dire celle qui arrive après Thatcher et Reagan. Cette économie qui est mise en avant par ce système économique mis en avant par Milton Friedman, et qui, au bout du bout, finalement, fait que l'État, non seulement n'empêche pas l'entreprise de fonctionner, mais l'État est au service de l'entreprise. Moi, hier, j'étais en train de faire la queue, avant-hier, pardon,
au supermarché, et il y a un mec qui était derrière, qui était un créateur d'entreprise, comme il m'a expliqué, et qui expliquait qu'on était quand même dans un gouvernement complètement marxiste-léniniste, que tout était codifié comme ça. Il y a des gens qui sont complètement à la rue, quoi. Là, le mec, il faisait du forcing pour expliquer que quand même, seule la société libérale pouvait nous aider à nous en sortir. Oui, avant la société libérale, avec le manque de pétrole, bientôt, et de gaz, on va voir la société libérale comment elle va se comporter. Ouais. Ça risque vraiment de partir en sucette, la société libérale. Et des gens comme Gaël Giraud même disent qu'on est dans une société post-libérale. C'est-à-dire on est dans l'après. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure lorsque nous échangeions. On est vraiment dans l'après, c'est-à-dire les choses ont déjà changé. Oui. Ont déjà changé par rapport au libéralisme initial. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que ce soit exactement comme ça, mais peut-être tu as raison. On nous vendait la concurrence libre et non faussée en nous expliquant que c'était ça le monde libéral. Mais en fait, eux, ils étaient déjà dans le coup d'après, tu comprends? C'est-à-dire que pendant qu'ils étaient en train de nous dire, voilà, la liberté, c'est de créer une entreprise, c'est que la concurrence va faire qu'on va inventer des produits toujours meilleurs, toujours plus beaux, tout ça, toujours plus. En fait, en même temps, on se retrouve après à avoir un Black Friday, c'est-à-dire un moment où on te fait des publicités pour acheter à peu près n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, puisque c'est pas cher, on peut acheter n'importe quoi. Et après, on se retrouve avec la COP27 qui nous explique que finalement, les gros mots, ça serait de parler de gaz, d'électricité, de tout ça. Il faut de fuel. Ce monde de gaspillage a besoin en fait de moments forts comme le Black Friday. Ouais. Ils ont besoin en fait de nouveautés, créer constamment des nouveautés. On voit toujours sur les pubs nouveau. Ouais. Et il faut que les gens consomment. Mais presque le Black Friday, évacue la COP27. C'est-à-dire qu'on est dans un moment. Ça fait 27 ans qu'on se pose des questions, comme 27 quand même, 27 ans à se poser des questions sur comment ça se fait, qu'on va tout doucement à un peu plus de drame au niveau de l'écologie. Hein. Tu as vu ce qui s'est passé au Pakistan cet été. Enfin, il y a plein de choses quoi, qui font qu'on voit les épisodes climatiques de pire en pire. Et puis, Black Friday. On voit bien que ces COP, au fond, il y en a eu beaucoup, hein, la 27e. COP 27. Hein, donc, et qui ont servi à rien. Parce qu'il y a toujours plus de CO2, et toujours plus d'émissions, et on consomme toujours de plus en plus d'énergie. Alors, ce qui va nous limiter, je pense que ça sera qu'en fait, la Terre a des ressources limitées. Oui. Et c'est ça, en fait, c'est les pics qui vont être atteints, les pics de pétrole, les pics de gaz. Et c'est ça qui va en fait remettre nos sociétés, en question. Parce que le capitalisme, lui, est incapable de se remettre en question. 220 milliards d'euros pour organiser les Jeux au Qatar. C'est-à-dire que là, c'est une espèce de fuite avec une pollution absolument majeure. Ils nous expliquent qu'ils ne polluent pas, hein, mais c'est une pollution absolument majeure. Quand on privatise les stades de foot, c'est impressionnant quand même. Faut prendre en compte, c'est tout. Il faut déjà oser le faire. Moi, je suis pas absolument pas en train de chercher à être punitif par rapport, parce qu'ils nous expliquent ça. Hein. Si vous dites ça, vous êtes punitif par rapport aux gens qui aiment bien le foot. Bravo, aimer le foot, super. Il faut raison garder, comme on dit. Hein, c'est-à-dire quand même, il y a un moment où trop c'est trop. Quoi. À la limite, c'est pas les 120 milliards. Ils ont pas transpiré. C'est le pétrole. Mais c'est tous les morts. Les 220 milliards, c'est la totale mort qu'il y a eu. Tous ces immigrés qui sont venus pour travailler, qui sont morts sur place. Alors que les conditions de travail n'étaient pas bonnes. Oui. C'est pas parce que c'est pas une épidémie, c'est les conditions de travail qui n'étaient pas bonnes, les conditions d'hygiène, avec de logement et tout. Donc là, c'est là le plus gros scandale. Mais... Oui, bien sûr. Mais ce que je te dis, enfin, je mettais en miroir le Qatar avec la COP27, hein, en amenant le Qatar, là, parce que à la COP27, les gros mots, c'était pétrole, gaz, etc. Et tout ça parce que les Égyptiens, l'Arabie Saoudite, ne veulent pas qu'on ait un débat là-dessus, quoi. Alors,
D'une part, ils font énormément de pognon, comme le Qatar peut se permettre pour dire on est une nation importante, regardez-nous, et on peut faire un événement, enfin bon, tout est grotesque quoi là-dedans. On va se retrouver avec des jeux d'hiver quand même qui vont être organisés en Arabie Saoudite. Hein. Oui, non, mais il n'y a plus de limite. Après. Il n'y a plus de limite. Il n'y a pas de limite. Maintenant, bon, le Qatar, peut-être qu'il va se mettre... Bon, c'est pas grave s'ils perdent de l'argent, mais si, ils vont perdre de l'argent. Les stades ne sont pas pleins, les sponsors vont fuir. Les gens pour y aller, c'est compliqué. C'est hors de prix pour se loger. Donc, c'est, voilà, ça va être trié sur le volet. Et, on peut pas y aller en voiture. C'est pas comme ça se passe en Europe. Les gens se déplacent en voiture. Là, c'est compliqué. C'est deux mondes. Ouais. C'est vraiment deux mondes. Un monde de consommation, un monde qui ignore le changement climatique. Et puis, à côté de ça, des problèmes très graves au niveau du climat et au niveau de l'écologie, enfin, et de la vie. Je tire mon chapeau pour aux Allemands, aux Allemands qui osent. Oui, là ils ont mis leur main devant la bouche pour, voilà, pour contre la censure, pour ne pas parler de l'LGBT. Oui. Voilà, je tire mon chapeau aux Allemands parce que c'est des rares, les rares joueurs, c'est l'Allemagne qui, voilà, qui manifeste. Alors que notre pays, soi-disant le pays des droits de l'homme, on n'a pas vu tellement ce... Non, il ne faut pas faire politique, a dit Macron. Non, il ne faut pas tout mélanger. Le sport, c'est pas la politique, le sport. Alors de tout temps, on avait vu à Kissler d'entrer, voilà. Mais là, on est au bout du bout, on voit vraiment que ce modèle économique est capable de l'autodestruction, quoi. Parce que quand même, ça a mené ces Jeux Olympiques, enfin, c'est tellement grotesque. Je veux dire, là, les gens petit à petit se sont habitués. Alors, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont dire, oh, quand même, ils y vont fort, le Qatar, c'est quand même vachement bien qu'ils organisent ce mondial de foot. Moi, je veux bien entendre ça, mais c'est grotesque quand même. Regardez les choses en face. Un pays dans lequel on est obligé d'organiser le truc maintenant en hiver parce que sinon il fait trop chaud quoi. Donc on change carrément les dates, etc. Et en plus, alors le premier match, ils avaient mis la clim, alors les gens avaient froid. je trouve que c'est le total est à se taper le cul par terre. Quoi. Et quand on pense qu'il y a des millions de morts, ouais, hein, sur Terre, ouais, et qu'on dépense un pognon comme ça, et que des gens s'y prêtent. C'est, voilà. Alors, donc, voilà, la crise sociale, la crise écologique, tout ça, c'est minoré parce que, pendant ce temps-là, le Qatar dépense 220 milliards pour faire ça, avec les morts, tout ce que ça... Alors, tout ça, c'est le modèle économique néolibéral. Et ce modèle économique néolibéral, alors, en fait, on a fait une émission sur le chômage. Alors, tu disais qu'il fallait aussi qu'on parle un tout petit peu de cette réforme qui est amenée par M. Dussopt. Hein. Oui, dans le choix. Ouais. Notre choix à donner. Ouais. Qu'il y a une petite casserole quand même avec ces tableaux. Enfin, ouais. Bon, on les en sort très bien. Oui, il faut une réforme du chômage, donc voilà, on aura. C'est encore les chômeurs qui vont perdre. Voilà, c'est une fois de plus une réforme soi-disant pour harmoniser, pour ci, pour ça. Donc, c'est les chômeurs qui vont perdre, il faudra cotiser plus, travailler plus longtemps et cotiser plus longtemps. Donc, pour avoir moins de mois de cotisation. Oui, Dussopt, il faut peut-être rappeler, c'est vrai, il était le maire d'Annonay, il était député, député de l'Ardèche. PS. Et il était PS. Oui, ouais, mais c'est le PS d'Hollande. C'est vrai que c'est un garçon qui a fait Sciences Po, et c'est un garçon qui a été formé, enfin, il a été... Formaté. Voilà, formaté. C'est des gens qui n'ont toujours pas vu l'ennemi invisible. Hein. Ils arriveront jamais à le voir, d'ailleurs. Ben, c'est-à-dire qu'il est invisible. Ben, je pense qu'il gère sa carrière, ce garçon, parce ouais. qu'au fond, il sait faire que ministre, quoi. Ou député, ou homme politique. Ouais. Hein. On a appris aux gens, hein, aujourd'hui. Hein. Nous assistons, d'ailleurs, au niveau des hommes politiques, comme des hommes de nos économies. Hein. Ils sont devenus des spécialistes de la gestion du pouvoir. Ils sont devenus des experts en acrobatie perverse, hein, d'interprétation de procédures. Ils sont devenus des techniciens, des stratèges des fonctionnements établis. Et ce comportement insupportable mutile notre démocratie. Hein, il mutile notre démocratie. Il handicape, le quotidien du citoyen que nous sommes. Et il nous handicape au niveau de notre manière de penser, de notre liberté, de notre société, de notre manière de vivre. On a envie de vivre différemment. Moi, là, c'est un appel aux chômeurs. Il y a 30% des chômeurs, un tiers des chômeurs qui ne sont pas inscrits au chômage. Donc moi, je voudrais qu'ils s'inscrivent au chômage, parce que du sort, ils voudraient prendre leur propre jeu. Étant donné que s'il y a 9% de chômeurs, on revoit la réforme. Mmh. La réforme qu'il vient de faire, elle tombe à l'eau. Donc on est à 7,2, 7,4 de chômeurs. S'il y a un tiers des chômeurs qui ne sont pas inscrits, s'ils s'inscrivent, on repasse au-dessus de 9%.
Donc moi, je voudrais que les chômeurs qui ne sont pas inscrits s'inscrivent. Et à ce moment-là, on serait au-dessus de la France. Oui, mais tu sais bien qu'avec les chiffres, c'est eux qui sont au gouvernement, c'est eux qui sont... Donc, ils sont capables de te dire, ceux qui sont pris en compte au niveau du chômage, ce sont les chômeurs de longue durée, etc. Oui, les classes, oui. Et après, ils les classent, et après, ils vont dire, ah ben ceux-là, qu'est-ce que vous voulez, ceux-là, on ne les prend pas. Bon, ils sont chômeurs, mais on ne les prend pas vraiment en compte. Voilà. Oui, ça fait un moment que c'est comme ça, parce que déjà, avec la réforme précédente, ça a servi entre autres à ça, à injecter des gens, des chiffres. Le chômage, à l'heure actuelle, ils sont en train de nous dire qu'on arrive presque au plein emploi. Hein. Ils disent qu'on devrait l'atteindre, le plein emploi. Alors qu'il y a plein de gens qui sont laissés sur la touche. Hein. Bah, ils trafiquent les chiffres, les chiffres. Et, ils changent les méthodes de calcul. Voilà, c'est ça. Oui, donc, c'est pour ça que je me permets de parler de spécialistes de la gestion du pouvoir. Parce que ce sont des gens qui, en fait, ont des méthodes. Ils arrivent à convaincre le plus grand peuple, la majorité des gens du peuple, en leur disant, vous voyez, on va atteindre le plein emploi. Mais pas du tout, puisqu'ils ont changé les méthodes de calcul. Quoi. Et il y a combien d'exclus? Il y a combien de gens qui sont des gens sans emploi et sans indemnité de chômage? 30%. Ouais. Un tiers. Donc c'est énorme. Non, mais en plus, là, c'est faux leur truc, parce qu'il y a de l'emploi à des endroits. Mais ça touche nationalement. Il y a des endroits qu'il y a plus d'emplois qu'ailleurs. Mais le gars qui a 300, 400 ou à l'autre bout de la France, lui, il n'est pas concerné. Et alors, il sera concerné quand même. Alors qu'il est trop loin. Il n'a pas à déménager pour travailler. C'est faux. Donc il faudrait que ce soit au moins départemental ou régional, mais pas national. Parce que comme tu es en train de le suggérer, dans la réforme du SOP, si tu refuses un emploi qui est un petit peu loin de ton domicile, ça va être toi qui ne veux pas travailler. Quoi. Ah, alors que c'est impossible. Bien sûr. C'est mais lui, on a qu'à lui proposer un emploi de maçon ou un emploi d'agriculteur, on verra s'il l'accepte. Oui, bien sûr. Saisonnier. Au fond, puisqu'il est ministre, il peut changer d'emploi, ce garçon. Oui. Oui, bon. on les voit bien, les Castaner et compagnie, on les voit. On verra si ça se passe. Le sujet aussi est un sujet économique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils n'augmentent pas les salaires, où on se retrouve, quand il y a des gens qui se retrouvent avec des salaires en dessous du SMIC quand même, ils sont obligés d'accepter des emplois en dessous du SMIC. Et alors, la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'ils veulent faire avec le RSA, c'est-à-dire faire bosser des gens pour des misères. Là, vraiment, on les paye même plus. Macron était pour Uber, il était pour l'ubérisation des travailleurs. Hein. Et parallèlement à ça, on a monsieur Tavares, là, qui est patron d'une grosse entreprise de voitures, Peugeot, Nissan, je ne sais plus trop quoi, là, qui sont mélangés. Hein. Lui, c'est 66 millions d'euros d'argent chaque année. Donc quand tu fais le calcul, c'est plus un rapport de 1 à 20 entre les petits salaires et les grands. C'est de 1 à 3 000. C'est-à-dire, le mec, il gagne 3 000 SMIC, quoi. Hein, plus de 3 000 SMIC. Ben oui, au jour où on parlait de Pouyanet, le PDG de Total, hein, bien lui, il gagne tous les mois, net, 500 000 euros tous les mois. Oui, mais ton Pouyanet, il gagne 10 fois moins que Tavares. Je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, le mec, c'est, tous les mois, c'est 5 millions d'euros de Tavares. C'est fou, quoi. On a du mal à s'imaginer. Oui, on a du mal à s'imaginer. Que font-ils de tout ça? Ça sert à quoi? C'est ça. On pose la question. C'est du gavage, en haut, le gavage de quelques-uns. Ils sont quand même pas très nombreux à gagner ça, donc c'est le gavage de quelques-uns. Et donc tout ça, c'est ce modèle économique qui est soi-disant un modèle innovant, dans lequel les USA, qui nous expliquaient au départ qu'il fallait la concurrence libre et non faussée pour faire la concurrence des entreprises, pour qu'elles soient innovantes, pour qu'elles créent, etc. Et eux, en fait, ils donnent du pognon directement aux entreprises qui créent des voitures électriques. À leurs entreprises, à eux. Hein, America, Great Again. À leur entreprise, à eux. C'est absolument pas question d'aider quelqu'un à acheter une voiture électrique. C'est question d'aider les entreprises. Alors je voudrais te rajouter quelque chose par rapport à Pouyanet, c'est qu'on n'a pas rajouté non plus ses primes. Oui. Parce qu'il a quand même des primes. Ouais. Et c'est pas 300 balles, sa prime. Ouais. Non mais pour en revenir à ce que disait Michel, en France, ça, pendant le Covid, Sanofi a touché des sous de l'État, hein, pour la recherche, pour trouver un vaccin. Il n'a pas couru d'ailleurs, mais il a touché des sous de l'État, hein, sans compter les subventions qu'il a pour faire des usines
Voilà, oui. Non, en France aussi, on subventionne les entreprises directement. Mais donc c'est pour ça que le sujet aujourd'hui, c'était bien l'État au service du capital. C'est à ça qu'on est arrivé, une société qui est, quelque part, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'au départ, on nous expliquait que les services publics, ça fonctionnait pas très bien, parce que c'était pas innovant, parce qu'il n'y avait pas de concurrence, parce que les gens, ils étaient là, fonctionnaires, plan-plan, ils n'avaient rien à foutre. Enfin bon, voilà, on leur donnait une petite mission, et ils ne sortiraient pas le ciboulot pour aller plus loin, alors que les entreprises, elles allaient créer, etc. Et puis on s'est retrouvés avec plein de montages successifs qui nous ont amené jusqu'à un Sarkozy qui nous expliquait que le partenariat quand même privé-public, c'était le nec plus ultra, c'était vachement bien, puisque en fait on allait grâce à ça avoir des entreprises privées qui assureraient un service public, et en fait on aurait en même temps l'innovation, etc. Tout serait au rendez-vous. Or c'est exactement le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire qu'on a plus de service public, et puis le privé n'assure absolument plus le service public, justement. Total Energy, qui théoriquement se retrouve centraliser la distribution des produits pétroliers, à un moment, Total Energy peut fixer les prix comme il a envie, l'État ne peut rien lui dire. Ils sont complètement privés de toute admonestation, toute remarque, quelle qu'elle soit, de l'État. Oui, ils sont libres, complètement libres. Voir, bon, les prisons, c'est les privés qui les construisent, mais on voit même à Flamanville le réacteur, le nucléaire, là, qui se forme là. Le père, c'est le privé. Le privé, c'est Bouygues qui est là-haut. Et en plus, bon, mais non seulement ça a été multiplié par, je ne sais pas combien, 4 ou 5 la facture, mais en plus, c'est des travailleurs détachés qui vont faire le boulot, c'est même pas des Français. Donc, ouais, je veux bien être européen, mais voilà, pour tirer moins cher, c'est tellement sous-traité, re-sous-traité, que finalement, bon, on ne s'y retrouve plus, et il y a des abus. Il y a des abus sur le code du travail. Tu voulais un tout petit peu rajouter les choses sur la réforme de retraite, sur la retraite que tu n'avais pas... Oh, la retraite, je crois que... Mais il faut faire vite, parce qu'après, il y a... Non, mais je crois que j'avais à peu près tout dit, hein, sur la retraite, si ce n'est que, peut-être la conclusion, hein, il n'y a pas besoin, disons, notre système de retraite n'est pas menacé, il est même excédentaire, je crois qu'actuellement, il a à peu près de 900 millions d'excédent. Dans les années à venir, il présentera peut-être un petit déficit, mais qui sera corrigé par un décret. Je ne me souviens plus le décret, mais enfin, disons, les gens qui sont nés, je crois, en 1973, hein, donc vont cotiser un petit peu plus, vont partir une année après. Donc, enfin, tout doit s'équilibrer. En fait, si Macron veut réformer le marché, il veut en fait réformer le marché du travail, c'est-à-dire travailler plus et être payé moins, c'est ce qui se cache derrière. Il veut surtout baisser les dépenses publiques pour équilibrer les baisses d'impôts, donc les recettes du gouvernement. C'est-à-dire on demande aux plus pauvres de travailler, hein, de travailler plus et plus longtemps pour compenser les faveurs accordées aux plus riches. Et souvenez-vous, par rapport aux plus riches, par exemple, quand on a enlevé l'ISF. Ouais, voilà. Et les montages financiers sont à tous les étages. Je vais te donner la parole, Denis, mais juste, je reviens sur un truc dont j'ai parlé déjà une première fois. C'est l'essence à 2 euros, à 60% de taxes, ça représente 1,20 euro qui va dans les caisses de l'État. L'essence à 1,50 euro, ça représente à 60% 90 centimes qui va dans les caisses de l'État. Donc la différence entre 90 centimes et 1,20 euro, c'est 30 centimes. Et on nous explique que ces 30 centimes, l'État nous fait une grande fleur et donne les 30 centimes comme il l'a fait jusqu'à il y a une semaine. Et en fait, il donne ces 30 centimes à qui? À vous? Pourtant, l'État, c'est nous. Hein. Non, mais à qui il donne les 30 centimes? À Total. C'est nous, on se fait les cadeaux. Circuler, il n'y a rien à voir. Ouais. Excuse-moi, Denis. Allez, on passe au quiz. Alors, attention. J'ai trois formes de vie. Je peux avoir une force destructrice. On danse pour moi. J'ai une très grande place dans plusieurs religions. Certains voudraient que je sois interplanétaire. Qui suis-je? Voilà. Donc je vous laisse réfléchir. La réponse est 15 jours, avec un développé évidemment pour argumenter. Voilà, à bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.